Cette authentique salle porte le nom d'Octave Gréard, vice-recteur de 1879 à 1902 et acteur majeur de la reconstruction de la Sorbonne. L'immense tableau peint par André Rixan reproduit la célébration du jubilé des 60 ans de Pasteur dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 1882. Très moderne, les vitraux s'intègrent parfaitement avec le reste de la décoration et donnent à la pièce une lumière tamisée et apaisante. Autant de symboles qui incarnent l'excellence et le prestige des universités parisiennes. Chargée d'histoire, la salle Gréard est surtout connue car c'est dans ses murs que Pierre de Coubertin créa le Comité international olympique en 1894.